En 1516, le Sénat de la République de Venise a décidé d'envoyer les Juifs qui étaient dispersés dans la ville, à habiter unis dans, dans une cour de maison qui est cet endroit dit le Ghetto Nuovo. Il s'agissait d'un endroit où il y avait une production de cuivre qui s'appelait, en vénitien, c'est un toponyme, qui s'appelait le getto, getto di rame, jeté de cuivre. Et le nom est devenu ghetto parce que les premiers juifs étaient plutôt des juifs allemands, d'origine allemande, et qui donc lisaient le G en G. Et donc ghetto où nous sommes maintenant. Il y a eu toute une discussion sur l'opportunité d'accepter l'endroit. D'abord, on a fait l'hypothèse d'envoyer les Juifs plutôt dans une île de la lagune, Murano ou la Giudecca. Quand les Juifs arrivent ici, on établit qu'il faut qu'il y ait une porte, deux portes, à vrai dire, d'un côté et de l'autre du quartier, qui doivent être fermées le soir et fermées dans toutes les périodes de fêtes chrétiennes. Les Juifs sont obligés et peuvent sortir pendant la journée, mais le soir et avec le son de la cloche de Saint-Marc, ils doivent entrer dans le ghetto. Les seuls qui peuvent sortir même le soir sont les médecins. On sait très bien que les médecins juifs sont considérés très importants même pour la population chrétienne. Le Ghetto Vecchio est une deuxième extension ouverte, donnée aux Juifs en 1541, suite à une deuxième vague migratoire importante de l'Espagne et du Portugal surtout, avec des gens qui pratiquaient surtout le marché, le commerce sur la Méditerranée. Donc une genre de travail et un rapport avec la ville assez différent de ceux du départ. C'est-à-dire que si au départ les Juifs étaient plutôt des banquiers, faisaient le prêt sur gage, et en même temps, ils vendaient des objets et des marchandises de deuxième main. La deuxième vague migratoire est plutôt de marchands de grand commerce dans la mer et dans la Méditerranée. Il y a ensuite un troisième ghetto, le Ghetto Nuovissimo, qui a été ouvert en 1633 suite à une autre vague migratoire importante, surtout qui venait de l'Empire ottoman. Donc ce qui est important est qu'il y avait des communautés tout à fait différentes. Tous étaient juifs, mais ils avaient des habitudes, des pratiques religieuses, surtout des chants, surtout des langages complètement différents. Il y avait 5 synagogues, 3 dans la place, et la première est la synagogue allemande, réalisée assez vite après l'institution du ghetto, une synagogue qui est importante du point de vue architectural pour la présence d'un gynécée assez ovoïde, qui est assez significatif, je crois, et qui a aussi qui est important pour l'organisation du rite, mais qui en même temps a le rôle par rapport à l'architecture de rendre plus régulière la forme de l'espace, puisque l'espace n'était pas régulier du tout au début. L'importance de la synagogue est donnée, on la voit de dehors à partir des 5 fenêtres qui donnent la lumière. Dans le rite hébreu, l'importance de la lumière naturelle ou artificielle et artificielle ensemble est absolument à prendre en compte. Et dans ce cas, le seul élément qu'on voit, qu'on perçoit du dehors, justement, sont les 5 énormes fenêtres qui donnent sur la place. La deuxième synagogue est la synagogue Canton. Canton signifie en vénitien simplement de l'angle, mise à l'angle.
Et à nouveau, il s'agit d'une synagogue ashkénaze avec l'importance donnée à la lumière, le lanterneau qui prend la lumière du ciel, de l'eau, et qui est organisé tout autour d'un espace, à nouveau une synagogue ashkénaze, avec un placard pour le texte sacré, très décoré, et un hôtel de l'autre côté, aussi très très décoré. Et une synagogue séfarade, la synagogue espagnole, qui a un caractère tout à fait différent par rapport à l'architecture, parce que il s'agit d'une d'un bâtiment qui n'est plus qui arrive dans une période dans laquelle on discute plus la présence des Juifs à Venise. La présence des Juifs est tout à fait acceptée et donc on peut construire quelque chose qui soit représentatif et, dans un certain sens, aussi monumental. La cinquième synagogue est la synagogue Levantine, pour des gens qui viennent de Constantinople, de la Grèce, de l'Orient, de l'Empire ottoman. Et il s'agit d'une architecture très marquée, qu'on voit de dehors et qui est aussi signé par le même architecte ou au moins par la même boutique d'architectes Longhena. Le ghetto devient assez vite un lieu d'échange culturel avec le reste de la ville d'abord, mais avec la Méditerranée et toute l'Europe d'une façon très importante. Mon hypothèse est que le ghetto, après tout, est à alimenter, dans un sens, la possibilité d'avoir des échanges culturels importants. Et donc, j'ai la tendance à le considérer un lieu de ségrégation, bien sûr, mais en même temps, un lieu qui a facilité ou développé les échanges culturels avec le reste du monde.